Frères, nous entrons à cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Paul-Émile Brassard. Nous sommes entrés ici à l'oratoire dans la grande neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph. Nous réfléchissons sur le thème « Portons la lumière ». Les lectures d'aujourd'hui nous invitent aussi à voir que porter la lumière, c'est prendre de gros risques, c'est accepter d'être en contradiction avec le monde. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous avons toujours besoin d'un Dieu d'amour et de pardon. Seigneur Jésus, tu es la parole du Père, sa déclaration d'amour et de miséricorde pour toute l'humanité. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu n'as pas reculé devant les exigences de ta mission. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta parole, ta lumière et ta paix, tu illumines et transformes nos vies. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les recours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Extrait du livre de la Sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule « Fils du Seigneur ». Il est un démenti pour nos idées, sa simple présence nous pèse, car son genre de vie s'oppose à celui des autres, sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes, il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Dieu est proche des malheureux.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. La fête juive des temples approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout au long de la Bible, nous rencontrons ces figures de personnes qui sont venues parler au nom de Dieu, des prophètes particulièrement, et qui
sont tombés dans de grandes difficultés, ont été rejetés, persécutés. On nous montre que ces prophètes sont confrontés à ces persécutions parce que leur message dérange et leur message appelle à un changement de cœur et de mentalité. La première lecture nous dit qu'il en était ainsi des justes, tout comme des prophètes. Le juste dérange. Celui qui est juste, qui cherche à se conformer à la volonté de Dieu, par cette attitude, il devient dérangeant. La personne qui cherche à vivre selon Dieu, à vivre une bonne vie, une vie de juste, il est un peu gênant pour ceux qui n'acceptent pas de regarder leur vie et changer leur vie. Les gens disent, on lit ça dans la première lecture, il est un démenti à nos idées. Sa seule présence nous gêne ou nous pèse. Le juste dérange par sa façon d'être dans la vérité, sa façon de porter la vérité de tout son être. Ce texte que nous venons d'entendre a probablement été écrit moins de 100 ans avant la venue de Jésus. Donc, depuis le temps des prophètes jusqu'à cette époque, on trouve toujours cette idée, le juste, celui qui parle au nom de Dieu, celui qui se conforme à la volonté de Dieu, est un gêneur et on veut s'en débarrasser. Les personnes qui cherchent à dire la vérité, à vivre comme des justes, font ombrage aux personnes qui sont orientées vers d'autres valeurs. Ce texte est écrit peut-être une centaine d'années, moins peut-être, avant Jésus. Et dans l'Évangile, on retrouve que cette réalité est bien présente dans la vie de Jésus. Nous nous trouvons dans les dernières semaines de la vie de Jésus, les derniers jours même de la vie de Jésus. Tout comme le juste dont parle le livre de la Sagesse, Jésus est devenu nettement gênant. Scribes et pharisiens pouvaient certainement dire de lui ce que dit le livre de la Sagesse. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse. Jésus est donc un homme traqué. Il sait que ses jours sont comptés, mais il doit agir avec prudence, puisque sa vie est en danger. On le dit au début du texte, il vient discrètement. Pourtant, cet homme qui agit avec prudence, agit avec audace aussi. Il accepte d'aller au temple, de parler au temple. La foule ne voit en lui que le fils du charpentier de Nazareth. Nous savons d'où il est, on le connaît, on connaît son histoire. Jésus les invite à un regard de foi qui pourra les amener à voir autre chose, à voir un regard nouveau, à regarder ce qu'il est dans une lumière nouvelle et découvrir une vérité tout autre que celle qu'il découvre, le fils du charpentier de Nazareth. Il y a bien autre chose dans celui qui vient. Jésus les invite donc à s'ouvrir à cette vérité plus profonde. S'il vient de Nazareth, il vient aussi du Père qui l'a envoyé. Proclamer une vérité qui dérange n'est jamais facile, et Jésus le sait bien. Depuis le temps où Jésus est en ce monde, nous avons rencontré tant d'hommes et de femmes qui ont choisi de porter cette lumière et cette vérité au risque même de leur vie, de leur réputation. Beaucoup sont morts martyrs, d'autres ont, comme saint frère, à cette lumière qu'ils portaient. Pourtant, c'est en demeurant fidèles à cette lumière sur le chemin qu'ils ont trouvé la joie de l'Évangile. En ces jours de neuvaine, nous demandons à saint Joseph, ce juste aux yeux de Dieu, cet homme fidèle en tout à la volonté du Père, nous demandons à saint frère André, son fidèle ami, de nous aider à demeurer nous-mêmes fidèles à la parole du Seigneur, de porter cette lumière de Dieu là où nous sommes, autour de nous, même quand
cette lumière dérange, quand notre façon d'être... Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent et nous purifient encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillant d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, le sang du Christ. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'à l'Éternel et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous voulons ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Je vous invite à prendre dans le grand feuillet Portons la lumière, feuillet de la neuvaine, au tout début, au numéro 1 de la prière thème Portons la lumière que nous pouvons réciter ensemble en union avec tous les pèlerins qui font cette neuvaine avec nous. Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour être la lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. Tu nous confies aujourd'hui la mission de porter cette lumière dans un monde qui cherche son chemin. Donne-nous la grâce d'être des témoins fidèles de ton amour en nous inspirant de Saint Joseph et de Saint Frère André. Que nos paroles et nos actes soient source de paix et de joie à l'égard des personnes que nous rencontrons chaque jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.